Salut les copains, c'est parti pour un nouveau shortcut et cette fois accompagné. Il est pas tout seul. Deux, c'est quoi ton nom sur YouTube? Noro VDK. J'ai pas compris, je le mettrai en description. En général, on dit à tes souhaits. Alors il connaît pas l'âme timbre, donc on a déjà visité quelques petits lieux sympathiques. Extrait. Même le camion avec la pub là, comme j'avoue, là. C'est un camion pub, mais genre avec des lumières et il fait que de balader comme ça. En France, ils ont des haut-parleurs pour annoncer les putains de cirques à la con là. Et là, ils ont des camions pour annoncer les pubs de Paco Rabanne ou je sais pas trop quoi. Viens aller voir le cirque Zavata, Zavata, le cirque Zavata. Ah, et là, on va aller sur un autre endroit, c'est un parking où on n'a pas le droit de prendre des vidéos, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Allez, c'est parti. Ouais, donc voilà, c'est ça. On peut monter que au 7 et après il faut que l'on bâtisse. Super. Nous sommes donc maintenant dans le parking. Malheureusement, l'ascenseur ne peut pas monter jusqu'au rooftop du parking. C'est bizarre de dire ça comme ça. Mais on est obligé de monter jusqu'au 7ème étage et de monter le reste à pied. Génial. Je suis déjà fatigué, je vais pas commencer. Bruno Sauvage est une espèce qui adore faire des photos, des vidéos en tout genre. Il est très à l'aise avec son terrain naturel, c'est-à-dire le... C'est-à-dire la ville toute polluée. Nous voici donc sur le toit du monde. Seulement au 15ème étage, alors qu'il y a des immeubles super hauts là-bas. Enfin bref, il y a une belle vue, c'est cool. Il y a un qui me filme. Inception. Inception vlog. Donc voilà, du coup je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas mal de prendre de photos et vidéos, mais on s'en fout. Là, il vient de voir qu'il y a un héliport. Donc on va monter sur l'héliport. En plus, on est encore plus haut, c'est trop bien. Waouh, stylé. Bon, en fait, stylé, mais c'est tout plat, il n'y a rien quoi. Il y a un gros trou du cul qui fait de la merde, eh ben c'est moi. Non, McDo. En vrai, McDo. McDo. Bah ouais. McDo. On l'a vu sur le toit, on s'est dit McDo. Bah c'était vite décidé. Ah, il est vraiment à côté mec, il est à 200 mètres. Où c'est? Il est à 200 mètres. Ah, mais t'as mis le GPS, plan GPS, ouais. Mais on l'a vu depuis le toit. Oui, je sais, mais je veux juste voir s'il est loin, parce que depuis le toit, on sait jamais. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est que du coup, on a fait quelques petites photos, voilà, c'était sympathique. Et on s'est fait, à ce moment-là, virer par un vigile. Et donc là, j'ai dit à Paul, genre, vas-y, essaye de gagner du temps, parce que j'étais en train de prendre une photo en pose longue. J'ai fait le teubé. Voilà, donc, le mec, il brodait à essayer de parler avec le vigile pour leur raconter n'importe excuse quoi. Excuse me, sir, I just want to know if we need a permission to go in the rooftop. That's it, rooftop, that's it, hein. Avec un magnifique accent anglais des familles. Après, Paul, il a perdu son téléphone, du coup, on a encore en plus fait chier le mec parce que du coup il fallait qu'il retrouve son téléphone. Et enfin bref, maintenant on est descendu, on va manger un petit McDo et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss les copains. Allez,
Bref, on s'amuse avec pas grand chose. Petit bonus pour conclure la vidéo et dire que du coup c'était la première vidéo que je faisais en collaboration avec un autre youtubeur. Sûrement d'autres collaborations de prévues avec ce personnage drôle et marrant et qui fait autant de blagues beauf que moi. Bref, je profite aussi de ce petit moment pour vous dire que trépied en main, j'ai fait beaucoup de petites photos sympathiques de la ville de nuit. Voilà, avec un beau panorama que j'avais déjà montré dans une précédente vidéo. Je vous montre tout ça donc juste ici, et puis le reste sera sur Instagram. En attendant, n'hésitez pas à souscrire à une bonne soirée, et puis passez un agréable abonnement. Salut, bisous!